Non, c'est bon, non. Romain, aide ce là. C'est lui, t'as l'air déjà fait un tour d'enculé. T'en souviens ou pas? Rouge noir. Rouge noir, c'était. Est-ce que, non, est-ce que c'est bon? Regardez bien cette carte-là, parce que cette carte-là, je vais faire semblant de la perdre. Remarquez, je suis honnête. Je le dis. Mais on dirait vraiment que je la perds, c'est le but. Hein. Et je fais semblant là. On dirait. Vraiment, on dirait. Elle est pas. Enfin, je connais pas ta carte, mais elle est pas en dessous. Non. Je connais pas ta carte, mais elle est pas au-dessus. Non. Ah là, c'est regardez bien. Non. Et là, je sais pas la faire. Mais là, c'est bon, là, j'ai vu, là. Non, on l'a vu rentrer, c'est bon. C'est exactement ça qui fait remonter une carte. Je recommence. Ce qui est beau, c'est qu'il le fait lentement. Ah, je l'ai vu, là. Tu vois ce que je veux dire? Mais non. Prends-le. Tu vas me le mettre juste ici. Je vous la montre une dernière fois. Oui, c'est bon. Est-ce que tu peux l'enfoncer dans le jeu, s'il te plaît? Là, tu vois ce que je veux dire? C'est plus là, c'est... Non, c'est bon, non. Romain, mais ne sors pas! Je t'ai vu, la mettre. Le principe de lui et l'autre, vous connaissez? Oui, lui et l'autre, ça ne se mélange pas. Voilà, c'est exactement ça, ça ne se mélange pas. Quelle synchronicité. Et c'est pareil avec les cartes, d'accord? On s'en tape que ce soit 6 et 9, d'accord? L'important, c'est que c'est des cartes rouges et des cartes noires, d'accord? Pour vous montrer que ça ne se mélange pas, il faut déjà commencer par essayer de les mélanger. Romain, les cartes noires face en bas ou les cartes rouges face en bas? Carte noire face en bas. Carte en bas, carte noire face en bas, donc c'est celle-là. Je vais mettre un petit peu de bordel dans ce jeu-là, si vous voulez. Donc tu m'as dit carte noire face en bas. Et elles sont là. Les cartes rouges face en l'air. Je commence par essayer de les imbriquer. Carte rouge. Rouge, noir. Noir. Rouge. Noir. Rouge. Et noir. Est-ce qu'on est d'accord? Ouais, on est d'accord. Je fais très doucement. Comme l'huile et l'eau, il faut un temps de décantation. Mais une fois que c'est décanté, c'est bon. C'est fait. La noire. C'est impossible. Je les ai vraiment vus exploser. Je vais recommencer, mais en plus visuel. Je mets les rouges ici. D'accord? Ouais. Là. Comme ça. Beaucoup de travail. Je mets les noirs juste ici. Je prends une carte noire que je mets dans le paquet rouge. Et une carte rouge que je mets dans le paquet noir. Est-ce qu'on y est vraiment? Oui. On y est. Est-ce que je peux te demander de l'enfoncer? Oui. Le temps qu'on s'occupe de ce paquet-là, celui-là se décante. Hein. Allez. On y va. Impeccable. C'est fait. Mais là, c'est pas possible. J'ai des... Non. On a vraiment... Non. Je recommence avec 2, si c'est ton problème. 2. Mais il faut pas jouer au poker, Rémi. Je recommence. Autant la première, je me suis dit. Avec 3. C'est fait. Non, c'est pas fait. 2, 3, 4. 2, 3, 4. Ça, je le vois. Maintenant, la question, c'est lequel est l'huile et lequel est l'eau. Ça fait noir. Et là, on arrive aux cartes rouges. Très bien. Je vais vous montrer lequel est l'huile et lequel est l'eau. Là, c'est l'huile qui est au-dessus toujours. Regardez bien. Ça, c'est rapide. 1, 2, 3. Quoi? Oh là là! Celui-là, il est. Mais tu as rien fait pour moi, tu vas faire gâcher. Ça, c'est le début, ça. Et si on, suit cette logique et qu'on regarde. Tout le jeu vient de la même sens. T'es un bâtard. T'es un bâtard. Yondu. Tu peux avoir des problèmes. Un jour, c'est pas contre toi, mais t'auras des problèmes. Tu vas te faire tirer dessus. Bravo. Bravo les gars. Bravo.